Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un unboxing du samedi avec la boutique Diamond Argif. Donc aujourd'hui ce ne sera que du Diamond Painting. Alors j'ai reçu ce colis le 17 février, je suis désolée, je n'ai pas encore eu le temps de faire la vidéo. Nous sommes le 4 mars, c'est vrai que c'est rare que ça m'arrive comme ça d'attendre, mais bon, je n'ai pas réussi à trouver le temps. C'est pas grave, le principal c'est que je vous les présente. Alors, il y a de la clochette. J'ai reçu donc 2 DP et un accessoire et également un porte-clés. Voilà, tout ça pour le Diamond Painting. Je vais vous présenter. Alors, l'accessoire est tout petit. Hein, c'est juste parce qu'il restait quelques centimes à prendre lorsque j'ai choisi mes articles. Et puis, Chouchou aime bien en avoir d'avance. C'est juste un petit pot de glue comme ceci. Donc, je pense qu'il y en a 3 dedans. Ouais, c'est bien ça. C'est 3 petits disques ronds comme ça. Donc, de glue rouge. Voilà. Dans un petit pot transparent. Donc, voilà. Ça, c'est l'accessoire. Il y en a avec sa moto dehors. Il se croit sur un circuit. 99 centimes. En dollars. Pardon. Je vais me mettre face bureau pour vous montrer le reste. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est petit. Donc, vous aurez compris que c'est le porte-clés. Ah, avec... Alors, on a plusieurs choses. Donc, déjà, le porte-clés. Alors, ça s'ouvre. Ah, ça s'ouvre ici. Alors, je ne le voyais pas si grand. Je l'avais pris pour les clés de voiture, mais en fin de compte, du coup, il est un peu trop grand pour les clés de voiture. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, voilà. Une petite tortue. Alors, je crois que c'est du double face, oui. Voilà. Double face. On va regarder niveau colle. Alors déjà, si j'arrive à enlever le papier, ouais, voilà. Ça va, ça colle bien. Et je vous montre au niveau de l'impression. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, l'impression. Non, c'est dans l'autre sens. Je vais y arriver. Voilà, vous voyez, oh, ça floute. Ça floute, fais le focus, fais le focus. Ah, voilà. Vous voyez, c'est très bien imprimé. Il n'y a pas de problème. Alors, on a avec ça les petits accessoires pour accrocher le porte-clés. Alors, le trou, il se trouve où? Ah, le trou est là. Voilà, juste là, pour accrocher. Donc, hop, j'ai des petits anneaux. Si j'arrive, donc il y en aura un pour la tortue sûrement et un pour la clochette. Je vais tout de suite le remettre dans le sachet pour pas les perdre. J'ai la clochette, voilà, voilà une petite clochette toute simple qui va bien énerver mes toutous. Et voilà. L'accroche du porte-clés. Alors, c'est vraiment vous voyez, c'est pas très très fin, c'est un peu dur. Ça a l'air très solide. Donc, j'ai un grand anneau ici et j'ai une petite médaille ici. Alors, qu'est-ce qui est marqué dessus? Creative Detail. Bon, ça doit être la marque. Hein. Voilà. Donc, qui est mise aussi sur un petit anneau. J'ai bien sûr mon petit toolkit. Hein, on ne s'attarde pas dessus, c'est comme d'habitude. Et j'ai 4 couleurs de strass. Voilà. Des strass verts. Des strass un peu rouille clair.
des transparents, couleur un peu diamant, et des, on va dire ils sont dorés, c'est transparent aussi, mais doré, voilà, ça brille, hein. Donc voilà, donc ce petit porte-clés tortue est à 3,99 $, on le fera ensemble en vidéo, je ferai très certainement cette semaine, dans la semaine, et comme ça, on le fera tous ensemble. Allez, je vais ranger ça à plus tard, enfin après. Et on a deux DP. Alors, c'est le même style de DP pour les deux, mais bien sûr, les motifs sont différents. C'est Chouchou qui les a choisis. Alors, pour une fois, il a pris des petits. Voilà. Alors, ce sont des perles rondes. On a, bien sûr, comme d'habitude, le petit toolkit. On a 20 couleurs. Hop. Alors. Bon, je cherche le bout. Voilà. Et voilà les couleurs. Alors, on va être beaucoup dans les bleus, dans les violets. Joli bleu. Et on a beaucoup de bleu, que du bleu d'ailleurs. Ah, là c'est du violet. Vous voyez, là aussi. Là, c'est un bleu ciel. Ah, il y a des petits espions qui sont rentrés dans le sachet. Oula, là il y a eu un petit mélange, mais bon, c'est pas grave. Ça, Chouchou les rattrapera et les remettra en bon sachet. Voilà. Il est joli celui-là, le prune. Un peu de gris. Et encore du violet. Voilà. Donc de jolies couleurs. Pour faire. Alors, dans ce sens-là. Pour faire un petit mandala. Voilà. Alors, le papier est un peu plissé, mais ça, c'est pas grave. On va bien le remettre. Alors, c'est du 30-30, mais en complet. On va mesurer, mais je pense que ça fait 25 sur 25 pour le dessin. Voilà. On regarde en même temps que ça colle. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, ah, j'ai mal remis de l'autre côté. Donc, il avait envie d'avoir des mandalas. Bon, ben, pourquoi pas, hein. Hop, voilà. Donc, je vous montre au niveau de l'impression. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Et niveau des symboles, donc... Ce sont que des lettres majuscules. Voilà. Et on a 20 couleurs. Alors là, on a la référence du DP. Ici. Là, c'est le nom du DP. C'est DIY 5D Fashion Diamond Painting. En bas, vous avez quelques petites explications comment faire votre DP. Et sur les perles, est-ce que vous retrouvez la référence? Oui. Alors, mais il y a Z et W en plus, mais sinon c'est C027. Alors, est-ce que je vais servir? Oui, voilà. Vous avez la référence du DP dessus. Pour celles qui rangent leur DP à plat. Voilà, et mettre leurs perles à part. Je suis désolée pour le bruit. Donc, vous pouvez le faire. Hop, voilà. Donc, ça, c'est le premier diamond painting en mandala bleu 30-30 perles rondes à 4,99 $. Le deuxième,
Hop, on va mettre le petit toolkit avec. Vous aurez compris aussi que c'est encore un mandala. Donc, toujours le petit toolkit. Bah, je vous montre tout de suite le mandala. Alors, dans ce sens-là, hop. Voilà. On verrait mieux sans les plis. Ah, ben si moi j'en refais. Oh là 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 là. Deux mains gauches aujourd'hui. J'ai deux mains gauches. Bon, ben ça ira comme ça. Donc voilà. Alors, pareil, c'est toujours dans les tons bleus. Alors, il y a peut-être du noir dans le fond. Oui, le B, c'est du 310. Donc voilà. Et il y a sûrement du 939 également. Voilà. Donc, je les trouve jolis comme ça. Bon, on verra quand ils seront faits. Hein. Bon, pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce qu'il les fera. Hein, chouchou, parce qu'il en a encore beaucoup, beaucoup à faire. Là, je viens de lui encadrer deux. Et j'en ai encore un encadré. Et en train d'en faire un autre. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo diapo. Parce que là... il n'a pas filmé depuis un petit moment. À chaque fois, il dit « Mince, j'ai oublié de filmer !» Mais bon, à chaque fois, il est trop tard. Mais du coup, je vous ferai une vidéo diapo pour vous montrer ce qu'il a fait dernièrement. Alors, voilà les couleurs. Donc ben là, du coup, on va avoir normalement que du bleu, je pense. Ah, il y a un tout petit peu de violet. Un peu de gris. Et après, on repart sur les bleus. Ah, ça, c'est le 939. Un tout petit peu, là. Bon, de temps en temps, il y a... C'est pas grave. Hein. Les perles sont propres. Hein. Il n'y a pas de défaut. C'est parce que dans les machines, là où ils en sachettent. Les perles, je ne sais même pas comment on dit. Des fois, bah, ça peut sauter. Hein. Voilà, on peut retrouver. Oh, bah là, vous voyez. Sûrement que la machine à côté faisait du rouge, hein, ce jour-là. Voilà, un violet. Un gris. Un autre gris. Et le noir. Voilà. Donc, c'est surtout le 939. Voilà, je vous montre. Vous voyez. Le 939 et le noir. Il y en a beaucoup plus là. Donc voilà, ben on verra quand il les fera le résultat que ça donne. Mais bon, je pense que ce sera joli. Et puis des mandalas, ça change un petit peu de modèle. Donc celui-ci est au même prix. Il est à 4,99$. Et je pense que je ne vous ai pas montré l'impression, mais... Ça va être pareil. Voilà, voyez, on voit bien. Alors là, on a 22 couleurs par contre. Attendez, je vais enlever le flash, peut-être que ça ira mieux. Voilà. Voilà, on a des majuscules, on a des symboles. Voilà. Alors, symbole et majuscule. 22 couleurs. Donc, voilà ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Les deux mandalas, ici, et la petite tortue. Voilà. Donc, la tortue, je vais vous la faire rapidement. On va la faire ensemble. C'est quelque chose qui va aller assez vite à faire. On fera le montage, tout ça. Donc, c'est des petites... Ah, et puis la glu. J'ai oublié la glu. Voilà. Donc, je vous rappelle, alors la glu 0,
$2,99, le porte-clés $3,99 et les deux mandalas, ils sont chacun à $4,99. Je vais vous remettre en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles que je viens de vous présenter et également le code promo si j'en ai un. Je ne sais plus. Il faut que je me fais une liste des boutiques avec les codes promo parce que après je ne sais plus qui en donne, qui en donne pas. Voilà. Mais n'hésitez pas toujours à regarder en dessous des vidéos à la barre d'infos, voir les renseignements que je vous mets parce que vous pouvez trouver des codes promo pour passer vos commandes ou d'autres choses. Voilà. Bah écoutez, je remercie d'abord beaucoup la boutique Diamond Argif. Voilà, toujours très heureuse de présenter des articles de chez eux. N'hésitez pas à aller voir, ils ont beaucoup de modèles plus ou moins grands. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et moi, en attendant, je vous fais avec la petite tortue de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.